Eh bien, salut tout le monde, c'est Fanny Goubrick, c'est là, on se retrouve pour une neuve construction, aujourd'hui consacrée à ce set-là, donc ce set tiré du film Man of Steel, donc Superman, donc référence 76002. Donc, pour ce set, il y a deux notices, donc un pour la voiture et un pour la structure. Donc, on va commencer par la voiture. Donc, il y a pas mal de pièces, hein, comme vous pouvez voir. Hop, voilà. Alors, on commence avec ça. Je vais le faire tenir parce que ça se plie un peu. Donc, on va mettre deux pièces. Une fois une grise foncée, si je trouve, voilà, donc en dessous. Donc ici, excuse-moi. Ici, et je trouve, ici. Voilà. Et une pièce, est-ce qu'elle est? Non. Comme ceci. Hein, qu'on met aussi en dessous. Ensuite, 4 pièces pour faire tenir les roues. Donc, des pièces comme ceci. Une, deux. Oui, 4 bien sûr. Voilà. Donc, on met 2 ici et 2 là. Hop, voilà, ça rend ça. Ensuite, 2 pièces 2 x 3 jaune, simplement. Voilà. Une pièce encore une fois 3 jaune. On met à la. Ben, on retourne le véhicule, on le remet droit. Et une pièce 1x4 graisse claire qu'on met ici. Voilà, ça donne ça. Pour l'instant. 4 pièces comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. Qu'on met sur les côtés du véhicule. Voilà. Je pense que cette vidéo sera en deux parties, hein, parce qu'il y a pas mal de pièces. Bah, je verrai. Une pièce 1x4 grise claire. Qu'on fait pareil que de l'autre côté, donc ça donne ça. Ça fait un rectangle. Deux pièces pour faire les formes à la voiture. Donc, comme ça, la main. Donc, une fois une carrée avec un petit. Des petits trous, donc on fait ça deux fois. Voilà, ça donne ça. Et une pièce 2x2 circulaire blanche. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, on va mettre les phares avant. Bah, après. Alors, deux pièces circulaires, une fois une rouge. Et une pièce pour les phares, donc c'est les phares arrière, donc on les met sur côté gauche et côté droit, voilà, et on met à l'arrière du véhicule, ici, voilà. Ensuite, une autre pièce, 1x3 jaune, ici, voilà, pour que ça passe à la même hauteur, les phares et la pièce. Alors, 2 pièces, 1x4, grise claire. Donc, on met. Alors. Non, je suis pas sûre. Ah, si, ça. Ici. Donc, ça dépasse en fait. Ici, il faut qu'il que ce soit vide. Donc, on a mis 2 pièces. Donc, ici, ici. Et sur le côté devant, on va mettre une pièce 2x2 avec. Pas comme ça qui tient, quoi. Comme ça. Donc, hop, ça donne ça. Et sur l'avant, on va mettre
les pare-chocs de la voiture. Voilà, une pièce comme ceci avec une encoche, pardon. On met ça deux fois. Voilà, ça fait un pare-choc noir. Ensuite, on va mettre le volant qui est gris. Bah, pas le volant gris, mais le truc pour faire tenir le volant est gris. Donc, on met ici. Voilà. Deux pièces. Bah, justement, on va faire les formes. Donc, deux pièces, une fois une circulaire, donc transparente. Donc, il n'y a pas de couleur, hein, c'est transparent. L'autre pièce est où? Je ne vois pas. Bon, je voyais pas. Excusez-moi. Donc voilà, on met les phares. Ça donne ça à l'avant. Plutôt cool. Et une pièce de ventilation grise foncée. Ici. Qu'on met juste là. Donc ça donne un avant. C'est pas mal. Bah, pas mal. Donc, 4 pièces au-dessus de la roue. Donc, on va remettre une ici, 2 là, 3 là, et 4 là. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, donc on va mettre les 4 roues. Moi, j'ai déjà mis les pneus dedans parce que ça me prend un petit peu de temps à faire. Donc moi bah, c'est simple, on met directement dedans. Hop. Et de 3 et de 4. Voilà. Donc elle roule bien. Hein. Voilà. Ensuite, une pièce, une fois 4 lisse, jaune. Donc on met on n'aime pas directement. On va le mettre celle-là, cette pièce-là, sur une pièce. Une fois deux, comme ceci, avec un petit tenon. Donc ici, et une autre pièce, une fois deux, mais pas le même tenon. Là, c'est pas le même jeu. En fait, cette pièce-là servira à faire, pour que le bonhomme tienne la voiture, en fait. Donc on met sur le côté de la voiture. Ça donne ça. Hop. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une pièce, une fois 4, 6, jaune. Une pièce, une fois 2, avec tenon. Et l'autre, sans tenon. Voilà. Et on met sur le côté du véhicule. Hop, voilà. Donc, 4 pièces en forme de angle droit. Donc, 4 pièces comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc on met ça juste ici. Hop, là. Voilà, là. Attendez. Ça. Et comme ça. Voilà. Ici. Ensuite, une pièce. En forme bizarre, comme ça, elle tourne toute lisse, donc on met à l'arrière du véhicule. Et deux pièces, 2x2, jaunes, donc on met derrière la pièce bizarre. Voilà. Deux pièces, une fois une, en ABC, donc en gris. Voilà. On le met ici, dans ce sens-là. Voilà. Et encore deux autres pièces, 2x2 jaunes. On met, deux pièces encore, 2x3, qu'on va mettre comme ceci. Et donc l'autre ici. Et on remet la pièce qu'on avait mis à l'arrière ici, donc toute lisse, pour faire le capot. Donc une pièce que je ne connaissais pas avant, c'est cette pièce.
Donc c'est une pièce une fois 4 sans les deux au milieu. Du coup, mais je derrière, attends, je mets le capot. Alors, deux pièces circulaires une fois une, qu'on met ici, et ici. Et on remet deux pièces une fois une avec, voilà, comme pour les phares en fait, mais c'est les rétroviseurs quoi. Il n'y aura rien de mis sur celle-là, ça restera comme ça. Donc alors, j'ai dit, hop, voilà. Ça fait déjà 10 minutes. Donc alors, on a bientôt fini. Donc 4 pièces, comme ceci, courbées, 4 pièces, pour faire, pour mettre juste au-dessus des machins, des roues. Hein. Donc on fait ça. Donc j'ai pas besoin de bien enfoncer, hein, c'est faut juste, juste, hop, voilà, merde. On fait ça pour les 4 roues. Voilà. Ah, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie et puis salut.